obtenir une forme de qualité, il faut 4-5 jours. Donc, le fait d'arrêter, par exemple, 6 mois, 15 jours après, vous pouvez retravailler. Quand on a remis tout en ordre, évidemment. Mais pour remettre tout en tout et tout, ça fait 15 jours, alors. Pas tout en ordre. Quand on pour remettre le fourneau 6 en ordre, il a fallu 6 mois. 6 hein. mois ah, Oui, hein. Bon, il était abandonné depuis presque 3 ans. Hein. L'état de l'installation annexe qui fait que s'il y a beaucoup de dégâts, ben, il faut réparer tout, quoi. 6 mois Il y a le fourneau et puis il y a tout ce qui va autour. Oui. Et c'est tout ce qui va autour qui est plus grand que le fourneau aussi. Donc c'est l'état de l'installation qui dépend, qui fait la durée du démarrage. Et vous faites de l'acier le meilleur du monde, paraît-il. Pas le meilleur du monde, mais c'est ici que les grands constructeurs européens se fournissent en acier. C'est ici en Europe. Mercedes, BMW et Audi ne vont pas acheter leur acier en Chine. Hein. Parce que c'est pas la qualité que... La qualité, c'est ici en Europe qu'on l'a fait. Aussi bien ici en Wallonie qu'à Sidmar, qu'à Dunkerque, qu'en Allemagne. Hein. Et c'est la partie du plancher où on remplit les thermos. Oui. Les thermos, c'est les wagons, comme un grand oui, thermo. Oui, j'ai vu café, en bas, là, oui, c'est assez impressionnant. De 125 tonnes. Vous les remplissez. Donc on les remplit. Et pour remplir, ça prend combien de temps? Ça peut aller d'un quart d'heure à une demi-heure. Et vous mettez combien de kilos là-dedans? S'il y a 125 et 140 tonnes. Tonnes. Et c'est les wagons qui sont l'un derrière l'autre accrochés à un train, et vous les remplissez, et où est-ce que ça va? À l'acierie de Chertau. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils transforment la fonte en acier. Et puis après? Et de là, bon, ça passe. Ça part dans une autre machine, vous faites des tôles. C'est coulé dans des gouttières, on fait des slaps. Là, ce sont des grandes plaques d'acier. Bon, ça va au laminoir, c'est écrasé, et c'est transformé en volume. Quoi. Voilà. Donc c'est le début de la chaîne. D'accord. Ici, c'est le début de la chaîne. Après, il y a la scierie. Et après la scierie, c'est les usines du froid qui convertissent tout ça en tôle pour les voitures, en tôle pour boîtes de conserve. Voilà. Enfin, il y a de la tôle partout, hein, ou sinon c'est du plastique. Merci beaucoup, monsieur.